Ouais, bien joué. Bien joué, Noé. Noé, prends-le. C'est à toi, Cornet. Allez, Vincent, un bon rôle. Allez, viens au centre. Noé, viens tous par là. Val, un vol. Noé, viens te placer là. Allez, juste là, Là, regarde là. Allez, 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 allez,
en a encore deux aujourd'hui. Il y a deux balles. Hugo, vous avez déjà joué? Après, ça dépend comment on va se faire. Comme ça, il faut. Allez, Fortnite! Fortnite!
Oh,
Oh punaise, aïe aïe aïe. Oh! Il tire dans la caméra, putain! Allez, c'est parti.
Chacun avec, marche derrière lui. Marche derrière lui. Thank you.
ballon, c'est un truc ça. Pour ceux qui aiment le ballon, contrôle les plus gros. Venez, chacun sa chance, ça va. Reste un quart d'heure. 14. Bonjour. Le fort. La tête, Alexis. Nathan. Allez les gars, allez. Bougez. Val, chauffe-toi. Val, échauffez-vous. Allez, hop, échauffez-vous. Vous allez rentrer. Allez. Noé, à ta droite. Oh,
Toetje, even nog een paar minuten, kom op! Kus, knallen hè! Hé, kom op hè! Ja, goed jongens! Naar voren! Sokken Noah, sokken mannetje! Allez go! Il y a touche. Ici, bras gauche.
Alexis. Là où il y a, il est en bas. Hop. Là où il y a. Et en bout. Passe. Noé, allez. Vincent à Noé. Oui. Michel, Noé, Noé, va devant le but. Vincent, cadre. Cadre, Vincent. Noé, Noé, Noé. Premier poteau. Olive, Olivier. Reculez. Mich et dispense Amérique. Amérique. Bien joué, balle. Bien marqué. Even rust, jongens. Lekker in het midden. Michel, qui a marqué, Val. Kijk Noah, dat is goed. Dat is werken. Allee Alexis. Go, hey. Thank you.
Fini. Val. Maxime. Entendez. On y va. Oh les gars,
cache même pas, je veux même pas. Alors, vous jouez la finale pour la 5e place, très bien. Par contre, dans le contenu du match, franchement, moi je ne suis pas content. Parce que je vous ai dit quoi? Je vous ai dit, on va jouer contre le monde de nous, on va mettre de la partie physique, frapper, écarter sur le côté, jouer. Tout ce qu'on a retenu, nous, c'est frapper. Mais les gars, vous aviez même pas encore le ballon dans le pied, que vous étiez déjà en train de frapper. Et vous n'en avez pas fait du tout. Parce qu'on s'est précipité. Alors, ok, c'est un match. Je suis en train de but, on est éliminé, un machin, je veux dire, ça fait peur. Ça, je peux le comprendre, les mecs. Il n'y a pas de souci. Mais on a joué contre des gamins qui avaient certains 2 ans de moins que nous. On est quand même dans la tête plus fort que ces gens-là, non? Je veux dire, à un moment, il faut qu'on puisse revenir en arrière, demander le ballon, jouer calme. C'est nous qui avons le jeu, c'est pas eux. C'est nous. On a 90% la balle. 90%. On fait une erreur. C'est pas un problème, Léo, hein? Ça arrive dans la vie, hein, famille. Aucun souci là-dessus. Hein. C'est pas ça qui m'inquiète. Ce qui m'a inquiété, eh ben, c'est qu'on n'a pas proposé de jeu. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, prochain match, bordel, beaucoup mieux que ça. Beaucoup mieux que ça. On peut montrer beaucoup mieux. Sinon, à part ça, c'est bien. Allez. C'est les premiers ou ils ont gagné? Ah ben, ils jouent maintenant pour les places. Et... Ah oui, ils ont déjà joué. Contre hier. Hier, ouais. C'était le premier match qu'on a fait hier. J'espère qu'on va regagner aujourd'hui. Ouais. Non, tu peux pas aller de côté. Hein. Marchez en bas les gars, vous allez.
Passe au gardien. Tu les as ? Team RCS Gundrusen.
please come immediately to pitch 2 for your match against SV Heiligkreuz or your match is lost. Noé, laisse-moi voir ta place. Il y a sûrement. Mets-toi à côté. Vas-y, vas-y. C'est bon, mets-toi là. On va continuer par un de nos défenseurs de choc. Mehdi. Il s'appelle Monsieur Chinouini Mehdi. Mehdi, va, lève-toi. Mehdi, lève-toi. Lève-toi, sinon je... On continue par un deuxième défenseur de choc, le plus propre qu'on ait jamais vu à l'OGM, Monsieur Léo Lantieri. Le prochain qu'on va appeler, on va le mettre dans les défenseurs, mais en fait il peut jouer à tous les postes. C'est Vincent. Un gaucher de choc. Alexis. Alexis. Alexis ou pas? Alexis. Je m'appelle Alexis. On continue par le guerrier de l'équipe. Celui qu'on renverse jamais, si on le renverse, c'est qu'il y a vraiment faute, sinon il pleure pas. Vincent, Vincent. Oui. Notre pitbull de service, Vincent. Monsieur Grasson, Vincent. Vincent. Un autre qu'on a fait jouer en défense qui aime pas ça. Hein. Chaque fois qu'on le met en défense, il me regarde un peu méchant comme ça. Il joue là. Ça, c'est un truc que j'aime pas faire. Mais bon, Hugo. On avait besoin de son physique Hugo, pour ça aujourd'hui, dans tous les cas. Monsieur Lang, Max. Vas-y, Max. Attends, Max. Hop là. Voilà. Allez, on passe dans les milieux de terrain maintenant. On en a beaucoup, hein, les milieux de terrain. Allez, on va commencer par au moins le plus grand. Milieu combien? Au moins le plus grand. Et on va commencer avec une grenade de feu. Vous savez comment il s'appelle ou pas? Noé. Monsieur Sauvager, Noé. Ouais. Noé. Attends, je peux pas mettre ma sortie. Mets-toi à côté de Léo. Allez, on continue par mets-toi plus là-bas. Notre ailier gauche, un de nos deux ailiers gauches. Il a du mal à revenir, mais bon, à chaque fois, il faut le tirer un petit peu. Garcia. Et là, un pied gauche qui peut marquer à n'importe quel moment. Il s'appelle comment, vous savez ou quoi? Alexis Ferzin. Monsieur Ferzin, Alexis. Bravo! Oh putain! Allez, on continue par le deuxième ailier gauche en alternance. Le seul qui, avant de faire une passe, est obligé de dribbler au moins deux bonhommes, sinon c'est pas cool. Monsieur, le seul et l'unique, hein, faut pas prendre là-dedans. Hein. Monsieur Donnedu Valentin. On attaque le côté droit. Garcia! Non, Garcia! Notre petit ailier de poche! Garcia, Nathan! Celui qui est capable d'éliminer sur 3,5 cm en passant entre les joueurs et entre les jambes des joueurs même. La mascotte et le cri et surtout l'instigateur du cri de guerre. Nathan! On continue par les devants, pour ceux de devant. Antonin.
Antonin, allez. Ouais, ça c'est sûr, Antonin. Antonin. Non, un autre, c'est vrai. Yanis. Notre milieu de terrain. Yanis. Le créateur de la boutique. Yanis. L'instigateur du jeu. Hugo. Antonin. Le gemme. Antonin. Yanis. Faire des passes pour casser toutes les lignes, mais qui est capable Yanis. De frapper de 35 Antonin. Mètres. Antonin. 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 Vous savez qui c'est ou pas? Oui, oui. Yes. Antonin. 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 Ouais. Là, ça va être toi, Yanis. Un autre attaquant qui a Hugo. Qui Hugo. A un peu pressé depuis qu'on Hugo. A le jeune. Hugo. 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 Qui met pas la pleine volonté. Hugo. Et qui physiquement a passé quand même un cap malgré qu'il a un gabarit plus petit que les autres. Hugo. Vous savez qui c'est? Hugo. Allez, viens chercher ton médaille, Hugo. Monsieur Marquez. Hugo. 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 Vas-y, vas-y. Hugo, 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 c'est qui, vous savez ou pas? Yanis! Mais c'est le dernier! C'est bon. Yanis, viens chercher ta médaille, allez, c'est parti! Oui, oui, oui. C'est Yanis! Oui, Yanis! Oui, Yanis! Bravo! J'ai oublié quelqu'un ou pas? Non, j'ai oublié personne, hein! Et bien sûr, on a oublié quelqu'un! Jubé! On a oublié notre psychopathe! T'as vu ou quoi? De l'équipe U9. Le perfectionniste de la boutique, complètement l'inverse de moi en fin de compte. Michel, un tonnerre d'applaudissements pour Mich-Mich. Notre coach principal. Mich-Mich. Monsieur Ferzin. Michel. Michel. Olivier. Bon, il n'a pas le droit à sa médaille lui, hein, dans tous les cas, parce qu'on n'a pas fait le podium, donc on n'est pas médaille nous. Mais bon, on est quand même très fiers de vous. Nous reconduisez pas, moi. Voilà. Allez, on applaudit encore très très fort la team U9 et GEM. Bravo, ouais, allez, bravo les gars, super. On va commencer par un égard qui a du temps. J'espère qu'il ne prendra pas exemple sur son père. Alors là, il y a deux possibilités quand même, hein, de gardien. Hein. C'est lequel? Non! De qui je parle? De qui je parle? Non! Eh ben non, vous êtes trompé! Non! Non, non! J'espère qu'il suivra l'exemple de son père, le gardien du temple à Nouzviller, et qui s'est rattrapé sur ce week-end, monsieur Bernd Nathan! Ouais! Deuxième gardien du temps. Non. Lui par contre, je pense qu'il fera mieux que son père encore. Son père a plein d'autres qualités. En l'occurrence, c'est le patron de la boutique chez nous, chez les Verts à Nouz. Et officiellement le patron de l'EGEM aussi quand même. Hein. Un tonnerre d'applaudissements pour monsieur Michels. Noah. Allez, on commence par un défenseur qui a joué aussi au même dans les buts aujourd'hui. Il m'a fait une remarque. Il m'a fait une remarque à midi, il m'a dit le dernier match en fer, je suis au but. Eh ben t'avais tort, t'étais au but et t'as gagné. Allez, un tonnerre d'applaudissements. Raphaël. Atras, Raphaël. On continue par un défenseur, bien rugueux, comme je les aime. Un pitbull aussi. Bon, il y a des fois, j'ai vu, il a beaucoup à travailler dans la relance quand même. Hein.
Mais en tant que défenseur, c'est le top. Monsieur Aït Kassi, Marwan. Marwan, mets-toi, tu te tournes. Hein. Marwan, tourne-toi. Marwan, tourne-toi. Voilà, comme ça. C'est bien, Marwan. Un autre qui a un poste tout nouveau pour lui. Devant la défense. Val. Val. En milieu droit, je l'entends beaucoup parler, mais il court beaucoup aussi. Ah non, Ilias, je réserve d'autres choses pour lui. Hein. Ethan, Ilias, je le à la fin, lui. Ethan, champion. Il fait toujours rire, par contre. Ethan. Allez, monsieur Ethan, Francis Couty. Milieu Perrin qui se soit hein. En tout cas aujourd'hui il a pris un vrai coup hein, qui était avec moi sur le côté. Il s'est bien fait bouger sur la chaîne, il s'est bien battu, il a bien repris très sincèrement, il a mordu sur ses lèvres et il est parti au combat pour gagner le dernier match. Esteban. Monsieur Zap Sidney. Là ça va être Esteban. Ilias. Là c'est Esté parce que lui là c'est en milieu de terrain et Ilias c'est là sur mon côté. Ilias. Non, là c'est mon frère Ilias. C'est mon frère. Allez, un autre, on continue par un autre milieu de terrain. Ilias. Police. Aussi police. Un peu réservé, un peu timide. Hein. Il faudra qu'il sorte aussi un petit peu. Qui s'affirme un peu plus et qui est très prometteur. Ilias. Monsieur Grélin, Nathan. Allez, je continue. Non, là, t'as pas besoin de me dire ce que je dois dire, là. Ah, ça t'inquiète pas. C'est moi. Allez, on va continuer par le capitaine de l'équipe aujourd'hui, enfin au moins sur ce que j'ai vu hier. Aujourd'hui, j'ai pas trop suivi. Non. S'il jouait aussi bien au foot qu'il avait la bouche ouverte, mon pauvre ami, je pense qu'il pourrait jouer au moins, en équipe professionnelle. Alors, je sais pas où, hein. Après, tu choisiras, Elias. Hein. Il est pétri de talent, il arrive à marquer aujourd'hui, j'ai vu, de 35 mètres. Bon, je pense qu'il sait pas comment il a fait, mais il l'a fait. C'est moi qui lui ai fait la place. Allez, Elias, viens prendre ta médaille. Putain, on est dans le final. Elias, Saint-Etienne. Tu as l'air Saint-Etienne. Un autre où j'ai pas besoin d'avoir les conseils de Joe. Parce que je l'ai regardé, je le suis un petit peu quand même. Esteban. Un petit tout timide qui cherche tout le temps son père. Esteban. Par contre son père le cherche rarement, c'est ça qui est bizarre. En fait. Esteban. Allez pareil, un petit timide qui va s'affirmer c'est sûr et qui a déjà bien progressé, c'est ce que j'ai vu parce qu'il a fait le Bayern Trophy avec moi l'année dernière. Avec mes petits U8, où on s'est bien fait bouger. Monsieur Koenigsegger, Lucas. Esteban. Allez, le dernier c'est pareil, j'ai pas besoin de tout ça. Esteban. Un joueur pour moi que j'en ai encore joué. Malheureusement, il joue pas chez nous. Mais c'est un ancien de chez nous. Qui nous a filé un bon coup de main aujourd'hui, qui est pétri de talent, qu'on espère le voir jouer au plus haut, parce qu'il le mérite. C'est un gamin qui est plein de hargne, c'est un gamin qui est plein de détermination. Et je vais m'arrêter là parce qu'après on va prendre la grosse tête sinon. Un autre Garcia, un tonnerre d'applaudissements pour Garcia, Esteban.
Esteban, 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 Esteban. On va, on va. Voilà, on a fini. On est en train de venir. Allez, bravo les garçons. Vous avez fait plaisir pour ce week-end.